Unthurian, a world forever split in unending combat. Vampires, the first beings to exist and the dominant race on the planet. A civil war that nearly destroyed us. The world was never the same again. In the wake of our ongoing self-destruction, others gained more strength, power, and influence. The time for our vengeance is now. We have to rebuild and claim what's rightfully ours. Et salut à toutes et à tous, c'est Crane. On se retrouve pour une nouvelle découverte, celle de Few Nights More, qui est un jeu qui m'a été envoyé sur Discord, des devs qui m'ont envoyé un message sur Discord en me disant « Est-ce que tu veux tester notre jeu ?» J'ai été voir, je me suis dit « Bah pourquoi pas, ça peut être intéressant. » Donc voilà, welcome to Few Nights More, the game is currently in early access, donc c'est une early access, ok. Normalement, j'ai mis en français, mais peut-être que le français y est pas vraiment encore. Ou j'ai pas fait appliquer tout à l'heure. J'ai peut-être pas fait appliquer. C'est peut-être moi, donc peut-être que vous auriez pu avoir l'intro en français, mais vous l'avez eu en anglais, je suis désolé. Ok. Quel style de jeu on va avoir? Bah, ça a l'air de mélanger pas mal de genres. Il y a l'air d'y avoir une sorte de gestion de château, je ne sais pas quoi, des déplacements dans différentes salles avec des combats à la... Je sais pas si c'est à la Slay the Spire, à la Darkest Dungeon, bah, je sais pas en vrai. En vrai, on va découvrir ça ensemble. En tout cas, c'est une nouvelle VOD. Si vous voulez bien prendre un petit instant pour laisser un commentaire dans l'espace commentaire à la sortie pour aider au référencement, merci beaucoup. Ou alors à la fin aussi pour faire un retour sur la vidéo, sur le jeu. Pour moi, c'est toujours très très important de lire vos avis. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bien pensez à activer la cloche aussi pour être alerté des sorties. Et laisser les petits pouces, ça pareil, c'est juste un clic et ça aide bien. Merci, merci. Ok, let's go. Mise à jour 2 janvier, français. Ah bah c'est pour ça que je disais au chat, j'étais persuadé qu'il n'y avait pas l'anglais avant, mais ils viennent de le mettre à jour aujourd'hui en français ou je ne sais pas quoi. Oh là là, c'est beau. Bah j'ai bien fait d'attendre. Ok, bah let's go, découverte totale. Alors je vous préviens, visuellement c'est spécial, mais on va s'intéresser aussi aux mécaniques. C'est parti, jouer. Créer un profil mode infini, mode normal. Bon, on va faire mode normal déjà. On va voir. Nouvelle partie. Ok, Velka Palen. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ah, je peux choisir entre plusieurs personnages. Bah, c'est pas désagréable. Hein. C'est pas désagréable. Bon, je suis devant le texte. Qu'est-ce que je fais? Je me déplace ou je vous le lis? Je vais vous le lire. Donc, description, lignée. Je vais peut-être pas vous lire tout. On verra. Donc, clan Palen. Attends, c'est quoi les clans? Clan Vorodis, clan Tyrannas et clan Sandreani. Et donc, il y a encore 3 personnages bloqués derrière. Et tu peux choisir entre un perso féminin ou homme ou femme. Ok. Ce qui change pas mal le style. Est-ce qu'il change à peu près le texte aussi? Ça ne doit pas changer la lignée, j'imagine. Ah si, ça change complètement. Ah si, ça change toute l'histoire du personnage à chaque fois. Donc là, potentiellement, il y aurait 4, 8 x 2, il y aurait 16 pavés de texte à lire. Donc ce qu'on va faire, on va prendre le premier perso, on va lire le premier perso et on va le jouer. Donc Velka hérita de la beauté de sa mère. Attends, je suis dans la lignée, déjà on va commencer là. Velka préfère éviter de se battre en première ligne pour plutôt renforcer et aider ses sbires à remporter des combats pour elle grâce à sa magie. Lorsqu'il lui arrive de faire face à un combat qu'elle ne peut éviter, cela dit, sa capacité forme du destin par les sorts qu'on lui lance. Ok. Et merci Schnops pour les 5 mois, merci beaucoup. Clan Palen commence avec 1 intelligence et 5% de chance d'esquive. Ok. Noble, à 15% de rabais pour les pièces, les objets, les sbires et les pièges. Collectionneur, à plus 20% de chance de trouver des décorations rares, plus 5% qu'elles soient épiques. Incompréhension commence avec moins 3 points de terreur. On ne sait pas ce que c'est, mais on verra bien. Pas de rayonnement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, regardez dans un miroir pour façonner votre destin et obtenez une quantité aléatoire de puissance et d'armure magique. Bon, on comprend tous les mots,
mais à part comprendre les mots, pour l'instant, on ne sait pas trop. Velka hérita de la beauté de sa mère et de la puissance magique extraordinaire de son père. Née pour diriger avec son extrême intelligence, elle hérita de toutes les qualités de ses parents sans effet secondaire. Après avoir appris ce que ses parents avaient fait pour sauver leur autre enfant, elle développa un amour et un instinct protecteur pour son frère, ne le quitta jamais et le protégea à tout prix, peut-être même de lui-même. Armée de sa tenue exquise élaborée à l'aide des matériaux les plus secrets que le clan a à offrir, ainsi que de son arme de prédilection, son parapluie magique, elle est prête à mener son clan vers le succès. Ok, 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 bah très bien, très bien, très bien. Et du coup, c'est son frère ou pas ? J'imagine que ça doit être son frère. Je sais pas. Qu'elle a protégé tout ça. Mais bon, vas-y, ils nous l'ont proposé en premier. Let's go. Ça donne quoi, pas de rayonnement ? Je sais pas ce que c'est. On va faire continuer. Sang, nécromancie, férocité, ténèbres. Ténèbres est bloqué. Ok, donc qu'est-ce que ça dit ? École de Virnir. Pour l'instant, c'est absolument pas ce qu'on doit faire. Pourquoi ? Avec une réserve de sang, le seigneur obtient 0,1% de chance de coup critique en fonction du sang qui lui reste à la fin de chaque tour. Ajoute 5 gouttes de sang pour chaque PA restant à la fin du tour. Lance de sang. Envoie une lance de sang qui inflige des dégâts perçants physiques et magiques et octroie du sang pour chaque ennemi atteint. Ok. Nécromancie. Avec une réserve d'âme, les sbires obtiennent 5 PV max pour chaque PA restant à la fin du tour. Supplique. Octroie divers bonus au seigneur vampire selon son âme. Vous renforce. Invoque des alliés du monde des démons. Férocité, école de Kineras. Le seigneur commence avec plus 15 PV. Obtenez 1 PA toutes les 5 compétences d'attaque utilisées dans ce combat. Obtenez 1% de chance de multi-lancer pour chaque PA restant à la fin du tour. Dévorez la chair de vos ennemis, infligez des dégâts physiques avec possibilité d'affaiblir une cible. Bon, on va faire le basique. On va faire le premier avec le premier. Hein. S'engager, voilà. On s'engage. Ok. Acte 1. Nuit 1. Votre but est de survivre à toutes les nuits et de vaincre le boss final. Vous perdez si vos PV ou ceux de votre cercueil atteignent 0. Vous pouvez gérer votre château et ajuster vos compétences de seigneur dans l'écran de préparation. Ensuite, cliquez donc sur une nuit de plus pour commencer l'invasion. Ah mais en fait, c'est notre château qui se fait envahir. C'est donc ça. Ok, donc on fait tout ce qu'on a à faire jusqu'à cliquer sur une nuit de plus. Donc alors attendez, je suis devant des trucs, on va se mettre comme ça. Donc, piller des salles. Alors, qu'est-ce qu'on comprend ? Il y a plein de choses devant nous. Il y a des trucs ici. Sbire, décoration. Bon, apparemment, on est là. Qu'est-ce qui se passe si on clique là ? Salle de cercueil. La salle de cercueil doit être protégée à tout prix. Si le cercueil n'a plus de PV, le seigneur est vaincu. Ça dézoome, ça fait descendre le texte et ça dézoome en même temps, c'est rigolo. Ok. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse du coup ? Très très content. Je vais cliquer sur rien. Sbire, il n'y en a pas. Paramétrer toutes les décorations. Piège. Tutoriel de renommée. Voici l'écran de renommée. Les vampires se plaisent à vanter leur renommée en l'affichant dans les 3 catégories présentées ici. Vous pouvez choisir d'ajouter vos points disponibles avec ce bouton. Vous pouvez demander les bénéfices de l'arborescence quand vous atteignez certains paliers. De plus, vous pouvez obtenir de la représentation directement via vos pièces ou d'autres ressources. Par exemple, obtenez 10 prestiges depuis la grande salle, auquel cas ces points atterriront immédiatement dans votre arborescence de représentation. Oui. Oui. Oui, 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 oui. Ah, moins 3, c'est ça. Terreur, c'est ce qui s'est passé. D'accord. Donc on commence à moins 3, 3 points, octroie un piège au hasard, tout ça. Donc en gros, faut être prestigieux. Point restant 0. Et du coup, on fait quoi ? Je fais quelque chose ou j'appuie sur une nuit de plus directement ? C'est quoi ça ? Piller des salles. Oui. Hésitez pas hein, si vous voulez. Tutoriel de fusion, on peut fusionner des trucs. Peut-être qu'il... Attends. Si je vais dans... Non. Peut-être une nuit de plus. Déjà, on peut perdre que si on clique sur une nuit de plus, alors on clique pas. Exactement, on peut profiter de la vie. Bah, peut-être qu'on n'a rien à faire nuit 1, en fait. Hein. On se réveille juste et on fait une nuit de plus et on voit ce qui se passe. De toute façon, j'ai l'impression de rien pouvoir faire. Donc, si je fais... Attends.
clavier déjà. On va le passer en QWERTY. Je peux bouger ça, ok. Ok, bah let's go, allons. Vos compétences vous conviennent-elles? Voulez-vous continuer? Non. Mais y a, on voit... Je ne comprends rien au jeu! Je comprends rien au jeu! Bah oui, hein. Ah, c'est bon! C'est bon, fallait juste faire ça directement, il n'y avait rien à faire. Vous pouvez déplacer votre seigneur en faisant un clic droit sur une pièce. Remarquez que pendant la phase de préparation, vous pouvez librement vous déplacer votre seigneur, mais lorsque l'invasion commence, vous ne pouvez vous déplacer que selon votre vitesse de mouvement. Ok, la vitesse de mouvement, 3 mouvements S. 3 mouvements... je ne sais pas. La vitesse de mouvement, vous trouvez une vitesse de mouvement à chaque tour de l'invasion, vous pouvez conserver mouvement de speed. Ah oui, d'accord, mais là, c'est point de vie, c'est en français, mouvement de speed, c'est en anglais. Vous pouvez conserver ces points entre les tours si vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Ok. Et donc, se passe quoi si je me déplace ici? Donc ça, c'est mes sbires, ça? Oh non, c'est des ennemis. Début du combat, let's go. Tutoriel de combat. Voici vos points d'action, PA. Ils sont où? Points d'action, PA. Au-dessus des compétences, j'en ai 3. Il faut des PA pour utiliser de nombreuses compétences. Si tel est le cas, l'infobulle vous en informera. Vous pouvez aussi le voir ici dans la barre d'action. Ok. Ah oui, on voit combien chaque compétence coûte. Ok. Les compétences peuvent coûter des PA et des gouttes de sang. Avoir un temps d'attente et une limite d'utilisation. La plupart des compétences qui n'ont pas de temps d'attente ou de limite d'utilisation, chaque compétence a ses limites spécifiques. Armure physique. La quantité de dégâts physiques que l'unité peut réduire à la fin du tour, elle se réinitialise. Ok, on garde pas l'armure. En cas d'armure magique, le même principe s'applique. Armure physique, armure magique. Ok. Effet bonus. Il y a des effets positifs. Les effets se multiplient à chaque cumul. Effet malus. Apparaît en rouge. Inflige un effet négatif. Ok, ok, ok. Ah non. Ça, c'est... attends. Mais ça, c'est armure magique ou c'est un... Non, c'est un truc positif. Ok, bon, bref. Bref. Très bien. Donc là, on est face à deux Billy. Lui, il va faire appel désespéré, octroie du moral à tous les chasseurs. Et elle, elle va faire des dégâts attaque d'ail. Et on n'aime pas du tout ça, l'ail, nous. Donc, qu'est-ce qu'on a, nous? Oh là, c'est écrit très, très gros. Inflige 2 dégâts physiques et 2 dégâts magiques et transperce une rangée d'ennemis. Vous obtenez 5 gouttes de sang pour chaque... cible touchée, ou alors empêche les dégâts physiques octroyant 3 points d'armure physique et 5 gouttes de sang. Ok. Tiens! Il me reste 1 point d'action. Donc est-ce que j'accepte de prendre 1? Ouais, on va accepter de prendre 1 parce qu'on fait pas très très mal. Fin du tour. Ok. Pourquoi j'ai pris 4 points de... 1 pour 1 ? Pourquoi j'ai pris 4 points de dégâts alors que j'avais de l'armure ? Attends, j'avais pas la bonne armure ? C'était pas des dégâts physiques, c'est des dégâts magiques. Ouais, ça devait être des dégâts magiques en fait. Ok. Ou l'ail qui transperce l'armure. Ouais, ça, ça... inflige des dégâts physiques. Ouais, j'aurais dû regarder, c'était peut-être des dégâts pas... C'était peut-être magique, je sais pas. Rouge sur rouge, c'est pas joli, comment ça? Pas méga fan de la DA. Quelques chara-design sympa, mais la colorisation est bof. Ouais, mais au moins c'est original, quoi. Au moins, fin du tour. Ok. Appel désespéré, c'est y met du moral. Good. Victory! On a gagné 100 or, 1 point de compétence, 1 point de salle. Continuez. Tutoriel de base. Vos récompenses pour avoir survécu une nuit. Une lueur indique les récompenses disponibles. L'écran de votre seigneur se trouve ici. Attends, elle est où la lueur? Je
Je veux dire que ça, c'est lumineux, c'est le petit truc jaune au-dessus, ça doit être ça. Les camps de votre seigneur se trouvent ici. Vous pouvez modifier vos compétences, vos bijoux et consulter vos atouts et capacités. Vous pouvez y accéder en appuyant sur C ou en cliquant sur le portrait de votre seigneur. Ok. Donc ça, c'est cool. Donc là, il y a des trucs. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe ? Choisissez votre compétence. Missile de sang, peau démoniaque, drain de sang. Type de dégâts physique, effet ennemi, double cible. Inflige 5 dégâts magiques deux fois chaque projectile. Mais type de dégâts physique et ça inflige des dégâts magiques deux fois. Chaque projectile atteint une cible aléatoire. Cette compétence a 10% de chance de coûter 0 sang. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. 0 de CD, 20 sang. 20 sang ? Obtenez 5 points d'armure physique et magique. Votre prochaine peau de gargouille vous octroie 5 gouttes de sang en plus. Ok, c'est pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas de CD non plus ? Ça, défensivement parlant, ça a l'air très très fort. Et ça, applique invulnérabilité à la cible et le seigneur vampire obtient 25 gouttes, mais 4 de CD. Alors, RM, regain d'utilisation, gain limite, tous les 3 limites d'utilisation 3, première utilisation 1. Qu'est-ce que c'est que ce R plus M ? Regain d'utilisation, gain limite d'utilisation plus 1, tous les 3 lances de sang. Il y a une limite d'utilisation plus 1 tous les 3 bonus utilisés. Vas-y, je vais prendre les dégâts. On ajoute ça au livre de compétences. Ok. Ça, qu'est-ce que c'est ? Choisissez votre salle. On peut avoir un forgeron, une chambre ou une salle de reconnaissance. Augmente la rentrée d'or de 100 pièces. Alors déjà, de base, oui. Tous les vampires obtiennent plus 1 force à chaque début de tour en combat. Tous les vampires reçoivent plus 2 protections au début de chaque tour en combat. Valeur de la pièce, 300 or. Valeur de la pièce, 350 or. Mais est-ce que je peux les mettre ou pas, ou faut les acheter ? Je pense que je l'ai dans le baba. Hein. Le seigneur récupère 10 PV quand le jour se lève. Le seigneur obtient une décoration aléatoire chaque 2 nuits. Deuxième nuit, le seigneur récupère 5 PV en plus. Le seigneur obtient un bijou aléatoire. Alors, je sais que ça peut être un peu déroutant et que la DA peut un peu bloquer ou tout ça, mais en vrai, là, il y a plein de mécaniques potentiellement intéressantes. Hein. Rassemble des informations, octroie 5 XP à la fin de chaque nuit. Et ça, ça donne de l'XP. Bon, on va prendre le forgeron, on va prendre le 1 juste pour... Ok. Voici l'onglet de construction. Vous pouvez voir les pièces dont vous disposez pour les aménager. Vous pouvez faire cela en glissant vos pièces sur des salles vides dont la taille correspond avec la souris. Vous pouvez améliorer une pièce tout en glissant deux du même type l'une sur l'autre. Intéressant. Après avoir amélioré une pièce, vous pouvez la décorer, y poser des pièges et placer des sbires de la même façon. Et salut Yura. Salut Saint-Ol. Remarquez que certaines salles n'ont pas tous les types d'emplacements. Vous pouvez vous renseigner sur la taille d'une pièce via deux méthodes, piège, sbire, décoration. Ok, donc là, si je vais dans pièces, j'ai le forgeron que je peux mettre, que je peux pas mettre ici, que je peux mettre ici, ici ou ici. On va mettre le forgeron là. Ok. Donc j'ai pas de décoration, j'ai pas de piège, j'ai pas tout ça. J'ai pas gagné d'accord. Donc là, je pense que j'ai... Rien, tuer le seigneur, détruire le cœur. Je pense que j'ai rien d'autre de spécial à faire, hein, pour le moment, on dirait. Ça me trigger que Crane soit sur la droite de sa cam. J'ai l'impression qu'il y a 20% de la cam qui sert à rien ou que c'est mal cadré. Oh là là. C'est moi qui me tiens mal, etc. C'est... Oh. Hop. C'est des messages que je vois pas sur d'autres lives, ça. Vous permettez beaucoup de choses, hein. Et vous faites pas attention à la façon dont vous le dites, hein. Hop. Alors. Allons-y. Salut, Kazmageddon. Vos compétences vous conviennent-elles ? Bah, je pense pas que je puisse faire autre chose, donc let's go. Let's go. Encore, ça flouderait le chat et il y aurait un message comme ça de temps en temps, mais non. Hop. Alors, on est ici. Donc là, on peut directement là aller là. Ça veut dire... Alors, j'ai 3 points de mouvement. Est-ce que là, je peux me déplacer librement ou pas ? Comment je me déplace ?
fin du tour. Bon. Ah, clique comme ça. Ok, et on y va direct. Salut Pacral. Début du combat. Ok. Donc on a 4 dégâts physiques et un appel désespéré qui octroie du moral. Le moral, c'est lorsque le moral est inférieur à 100, ils subissent des dégâts supplémentaires de 1% pour chaque perte de 2 points de moral. Lorsque le moral est supérieur à 100, ils subissent des dégâts réduits de 1%. Si le moral atteint 50, le chasseur sera étourdi. Si le moral atteint 0, le chasseur perd moins 2 en intelligence et moins 2 en force au début du prochain tour. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mécaniques. Hein. Il a un point de force, un d'intelligence. Ok. Donc là, ça, il faut d'abord que je fasse ça pour pouvoir en profiter, c'est ça. On va faire ça. Ah non, pas du tout. Vous pouvez déjà ? Pourquoi je peux pas ? Attends, c'est quoi ? Ah, parce qu'il faut plus de sang. Voilà, on a 15 de sang. Qu'est-ce qui est au 3 le plus de sang ? Ah, mais ça a transpercé, ça a tapé les deux. Ah oui, mais du coup, vu que ça... Voilà, ok. Bon, il y a peut-être moyen de faire mieux. Fin du tour. Salut, Scaphoïde. Et merci, c'est gentil. Ok, nouveau tour. On n'a pas pris trop de dégâts. Donc là, notre but, bah, ça va être de bourrer, là. Hein. Tout simplement. Ils sont alignés, donc c'est parfait pour la lance de sang. Ok. Début du combat. Donc oui, il y avait bien 2 ronds dans l'endroit en question. Donc là, on prend 5 dégâts magiques, donc on ne peut absolument rien y faire. Donc ce qu'on va vouloir, c'est juste bourrer ici. On va quand même faire ça, parce que ça, ça donne 10 de sang, c'est ça ? Et non, ça donne 5. Donc j'ai... Ah, ça donnait 10 parce que ça touchait 2. Donc malheureusement, je peux rien faire, là. Fin du tour. Donc là, on va prendre 5 dégâts, voilà. Là, on va faire ça, suivi de ça. Nickel. Ah, ça frappait à 6, donc j'aurais pu frapper lui, en fait. Et il me fait des dégâts physiques, donc cette fois-ci, je vais bloquer les dégâts physiques. On va faire ça, et on va... Ah, il prend 2 fois les dégâts, intéressant. Donc j'aurais pu le tuer, en fait. J'aurais pu le tuer si j'avais pas bloqué les dégâts. Ok. Et merci, c'est Nonix, merci pour les 2 subs. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je viens d'avoir une fée miroir avec 10 cas d'attaque, GG, Zenos, c'est coucou. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et salut, salut Xenonix. Ok, donc là, on peut plus rien utiliser. On aurait pu le tuer. Donc, on a pris des dégâts. Et là, on tue. On a gagné 100 or. 1 point de compétence, 1 point d'atout, 1 point de bijou, 1 point d'action. Est-ce que ça veut dire qu'on a 1 point d'action supplémentaire ? Nuit 3. Donc là, on a quoi ? Ajouter un atout. Donc énergie plus 1 PA, mur plus 2 endurance et plus 1% de chance de réduction de tous les dégâts. Touche à tout, plus 2 force, plus 2 finesse, plus 2 intelligence. Ténèbres, plus 1 finesse et plus 1% de chance. Bah, j'ai l'impression qu'un 1 PA... Alors pourquoi ? Alors est-ce que vous pensez que c'est une rareté ? Est-ce que vous pensez que on a... là, on a eu 4 talents aléatoires, 4 atouts aléatoires et touche à tout est un talent plus rare que les autres ? C'est peut-être très... ça aurait été bien de savoir... parce que 1 PA, ça a l'air méga fort, mais ça, c'est rare, donc... Vas-y, on va prendre le rare. Ou un conseil, peut-être, ouais. Donc, ça, ouais, ça donne plus de stats. Si j'appuie sur C, de force, augmente les, de 1 les dégâts physiques pour chaque point. Donc oui, c'est énorme, parce qu'on ne fera pas 5. Donc passer de 5 à 7, en effet, c'est un très très gros up. Ok, ok, ok. Ensuite, là, on va choisir une nouvelle compétence. Inflige 15 au moral et 5 dégâts magiques à tous les chasseurs. Obtenez 10 gouttes de sang pour chaque ennemi touché. Et il y a un CD, mais ça coûte 2 points d'action. C'est beaucoup, mais il ne coûte pas de sang pour le coup. Lui, il coûte 40 sang, pas de points d'action. Le seigneur vampire obtient une chance bonus d'esquive équivalente à la chance actuelle de critique pendant 2 tours. Revers, 2 points d'action, ne coûte pas de sang, 10 de CD. Obtenez 30 gouttes de sang et plus une finesse jusqu'à la fin du combat. À chaque coup critique que vous infligez, le délai d'utilisation de la capacité diminue d'un tour. Et le problème, c'est que ça prend 2. Est-ce qu'on veut implosion ?
quand même 30 gouttes de sang, c'est beaucoup et ça augmente mon crit. Est-ce qu'on veut implosion ou revers? Apparemment, oui, ils ont ajouté le français hier. Ils ont ajouté le français hier. Et bonjour à ceux qui arrivent. Court terme ou long terme, plus infini jusqu'à la fin du combat. 15 au moral et 5 dégâts magiques à tous les chasseurs. Obtenez 10 gouttes de sang pour chaque ennemi touché. L'implosion fait une AOE, ouais. Allez, on va prendre ça. Let's go. Ça, qu'est-ce que c'est? Donc, on a le droit à un bijou. Et on voit qu'il y a, j'imagine, deux trucs rares. 3 CD, c'est utilisé. La prochaine attaque à cible unique devient une attaque perçante. Ok. 0 CD, bonus passif, octroie 1 finesse à la fin d'un tour sur 2. Pas mal. Donc finesse, je crois que ça doit être le crit. Et anneau de Cinéreas, bonus passif, vous obtenez plus 1 vol de vie. Oh, ça a l'air sympa ça. Je pense qu'on va prendre ça, l'anneau de Cinéreas. Du vol de vie, ça peut être bien. Ajouter à l'inventaire, et là on a quoi? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est un magasin? Comment puis-je servir sa seigneurie? On a 300 or. On peut acheter des salles, on peut acheter des bijoux, on peut acheter des pièges, on peut acheter des sbires. Et on peut acheter des décorations. On veut peut-être des salles au début. Mais ça, on n'a pas assez. Statue actuelle du château. Ok. Un vol de vie en passif, c'est pas mal, je pense. Eh, mais mine de rien... Attends, spécial, c'est quoi? Le seigneur vampire obtient une chance bonus d'esquive équivalente à la chance actuelle de critique pendant 2 tours. Ah, c'est une compétence que tu peux acheter. Rabais, qu'est-ce que c'est? Usage unique. Usage unique. Inflige 10 de dégâts au moral du chasseur. Donc ça, c'est un item utilisable. Ça, qu'est-ce que c'est? Doigt de pestilence. Si utilisé, marque la cible. Si elle ne... Bijou, piège, ok. Si elle ne reçoit pas de dégâts pendant 3 tours, elle meurt instantanément. Octroie 50 gouttes de sang à sa mort. Inutilisable sur les boss et vétérans. Ok. Donc faudrait ne pas toucher une cible pendant 3 tours. On a plein de trucs en AE, tout ça, donc c'est un peu compliqué. On a des décorations. Octroie 20 links pour faire fusionner les sbires. Vous pouvez obtenir en éliminant des ennemis avec des décorations de salle, je sais pas quoi. Attends, sinon en sbire, on a quoi? On a inflige 8 dégâts à un chasseur aléatoire ou inflige 4 dégâts à tous les chasseurs. Vas-y, on va acheter des sbires. Ok, j'ai acheté un sbire. On achète 2. Les vétérans lâchent une décoration, obtenez une décoration épique à chaque troisième nuit. Il me reste... Ah, j'ai pas assez pour ça, mince. Augmente les chances de coup critique de 5%, ce qui est assez sympa. Et là, il me manque de toute façon. Je suis compétence offensive, octroie 1% de chance. Sinon, on peut acheter les pièges, mais les pièges, c'est usage unique et ça coûte de la thune, donc j'ai envie de dire non. Vas-y, je vais juste acheter ça pour le moment. Retournez au château. Il vous reste 174, il vous faut plus de tickets pour revenir voir le marchand. Souhaitez-vous continuer? Oui. Attends. Non. Attends. Fiole de sang, c'est quoi? C'est un heal, je pense. Régénère immédiatement 10% des PV max. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, hein. Après, je peux acheter d'autres sbires. Ouais, je sais pas. Vas-y. J'ai dépensé sans compter. Oui. Ok, donc là, on va pouvoir placer des sbires. On va pouvoir placer des sbires. Donc, 1, 2, et on met un squelette ici. Ça m'a l'air bien. Pièce, piège, renommée. Bon, fusion. À fusion, il faut 3 d'un même type. Ok, ok, ok. Et pour voir ce que j'ai d'équipé... Parce que... Ah, c'est là. Ok, on peut avoir que 3 trucs d'équipés. Donc, vol de vie, maintenant, on a 1. Soigne le vampire à la première compétence offensive de chaque tour. Ok. 6% de chance d'esquive. On a... On ne sait pas trop. On a une certaine valeur de dégâts critiques. On ne sait pas. Chance de coup critique, 0. Donc, non. Apparemment, la finesse, c'est pas ça. Ça augmente l'esquive. Donc, les critiques, c'est pas la vie. Ok.
Une nuit de plus, let's go. Attends, non. On va se mettre là. Let's go. Ah, ces compétences vous conviennent-elles? Oui. Ça mélange de roguelike et de défense de château, ouais. Oh là, il y en a deux qui arrivent. On va aller là en 1. Début du combat. Il y a du monde. Il y a du monde. On va directement utiliser ça, je pense. Oh, on va prendre cher. Voilà. C'est bourrin quand même, non? Ah oui, maintenant on a vraiment 4. Ok. Bon, bah voilà. Hein. Ah, il aurait fallu utiliser des lances pour recharger ça. Ok, bah je vais me faire massacrer. Ok, il y a encore masse dégâts physiques. Mais ils ont masse HP. Donc là, on a 50% de chance d'avoir... Ah non, il aurait fallu encore... il faudra encore en utiliser une, du coup. Mais on est foutu. Oh, et on n'a pas d'utilisation de rien du tout. Ah non ! On peut rien faire et il nous reste un point d'action. Dur. Ils sont tous presque morts. Eux, pas mourir. Ok. Ah mince, je peux rien faire d'autre. Parce qu'on n'a pas le proc. Ok, bon, ça servait à rien, mais ça me redonne du sang. 11 points de vie. Donc on va déjà mourir, c'est ça le plan? Ok. Le miroir, il fait quoi? Il me donne un vol de vie, c'est un passif. Attends. Je peux pas aller plus loin, fin du tour. Je vais l'attendre pour profiter potentiellement du 8 dégâts du sbire. 5 de dégâts, c'est du dégât physique. Alors c'est bien, il a bien pris cher derrière. Ok, lui on l'a sorti. Peut-être que j'aurais dû faire ça avant, mais en vrai ça va, je pense. C'est bon, on survit, tout va bien. Tout va bien. Donc peut-être que j'aurais dû commencer par attaquer lui en premier pour charger ma barre. Non, j'en sais rien en fait. Non, je pense qu'il faut beaucoup plus utiliser les salles pour le coup. Un point de compétence, un point d'atout, un point de salle, point de renommée 6. Nuit 4. Ok. Alors, plus 1 intelligence et plus 3 vols de vie, ça a l'air bien. Commencer le combat avec 6 épines, plus 2 force, plus 2 finesse. C'est compliqué parce qu'on voit que le plus 2 force, il fait... Non, on va prendre mage de sang, hein, parce que plus 3 vols de vie, ça a l'air bien. Le vol de vie, c'est au début de chaque tour. C'est la première attaque de chaque tour uniquement. Donc ça vole pas grand-chose, si j'ai bien compris. Peut-être que là, on le verra mieux. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une compétence. Inflige 30 dégâts magiques physiques et au moral, mais ça demande 100 sang au chasseur ciblé. Obtenez un blocage pour toutes les 30 gouttes de sang de votre réserve. Ne coûte pas de sang, 7 de CD. Blocage, j'imagine que ça absorbe tous les dégâts infligés par l'attaque, c'est fort. Le sbire est mort? Non. Il est mort le sbire? Augmente la réserve de sang. De 30. C'est très bien ça.
Ça coûte pas de sang, ça coûte pas de PA et ça te donne de la réserve de sang. Bon, ça c'est bien, mais il faut avoir suffisamment. En fait, il faudrait les deux, quoi. Mais on va commencer par ça. Comme ça, on a un truc qui file du sang directement. Ah, et c'est usage unique, les sbires, c'est la loose. Hein. Choisissez votre salle, qu'est-ce qu'on veut ? On peut avoir le forgeron niveau 2 pour le coup, ou un autre forgeron. Toutes les unités ennemies perdent 3 morales à chaque tour de combat. Le seigneur reçoit instantanément plus 9 terreurs et étourdit une cible aléatoire au début de chaque combat. C'est très très fort une fois maxé. Et ça, c'est pour des décorations. On va faire parce que ça donne 2 décorations instantanément. Donc peut-être que ça peut nous sauver. Donc là, on a chopé 2 décorations. Qu'est-ce qu'on a ? Octroie 2 points de terreur à la fin de chaque nuit. En combat, afflige 1 malus de décomposition à chaque ennemi tous les 2 tours. Voilà. Mais du coup, on va mourir là. C'est le moment où on meurt, non ? Est-ce que c'est le moment où on meurt ? Là, on n'a rien d'autre à faire. Donc on a eux qui vont arriver, qui sont 3, qui vont nous casser la figure. Donc il y a des chances. On n'a aucun sbire, on n'a rien. Mais je vois pas comment on survit, on est d'accord. Il y a des chances qu'on... Ah oui, mais lui, c'est un élite. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Bon, bah let's go. Hein. Je peux rien faire d'autre, hein, non ? Qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Je sais pas. Piller les salles. C'est méchant, ça. Bah, let's go. Je pense que j'ai pas le choix après. Ouais. Donc, 6 de dégâts, c'est des dégâts magiques. Donc, je peux rien y faire. Donc, déjà, on va faire ça. Ça fait que 5 de dégâts. Je peux rien faire de mieux en vrai, hein. Allez, prenons 6. 8 dégâts, 6 x 3. Adieu. Adieu. Et on n'a pas de compétences. Bon bah voilà. On n'a même pas fait un level. Je pense qu'il aurait fallu prendre le... Tutoriel de l'héritage. Vous avez débloqué l'écran d'héritage. Sur cet écran, vous pouvez consulter le niveau et les talents de chaque clan, ainsi que dépenser les points d'héritage que vous avez obtenus pour renforcer vos seigneurs vampires. Voici les... Attends, il y a quoi ? Le clan d'héritage, 2 pages. Clan et discipline, général et château. Voici le nombre de points d'héritage que vous avez récupérés. Pour chaque 50 héritages obtenus, tous vos seigneurs obtiennent 10 PV max. Certains héritages ont plusieurs niveaux d'amélioration. Remarquez que dans ce genre de cas, le coût de chaque niveau augmente à chaque palier. Ok. Donc ça, c'est de la méta-progression. Donc là, on était sur le clan Palen. Mais du coup, on a points d'héritage 12. Bonus passif, lignée éternelle. Octroie 5 gouttes de sang, début de tour.
Une réserve de 100 max augmentée de 20 points. Pour chaque niveau 1, chaque coup critique du Seigneur Vampire lui redonne un PV. Commencer avec une compétence au hasard. C'est pas mal ça. Hein. Mais sinon, il y a les trucs à 100, nécromancie, férocité. Fin de loup, bonus passif. La lance de sang octroie maintenant 5 gouttes de sang de plus. Augmente la limite d'utilisation lance de sang de 2. Pas mal ça. La lance de sang a 25% de chance de critique supplémentaire. C'est fort aussi. Dégâts de lance augmentés de 3. Attends, j'ai pas regardé précision. Commencez avec 50% de sournoiserie. La lance de sang octroie 2% de sournoiserie par cible pour l'entièreté du combat. La peau de gargouille octroie aussi plus 1 d'armure magique. La peau de gargouille octroie 500 de plus. La peau de gargouille octroie 1% de chance de critique pendant le combat entier. La peau de gargouille augmente sa limite d'utilisation de 1 à chaque tour. Le seigneur vampire récupère 3 PV régénération profane. À la fin du tour, là quoi. Ok. Ouais, on a 12 sur 100, donc on ne peut pas dépenser grand-chose. Si je vais là, pour l'instant... Ah, il faut des... Par exemple, niveau 3, féodalité, commencer avec 2 salles au hasard. Niveau 6, etc. Eh, mais... Alors, je ne sais pas du tout quel est votre état d'esprit. Mais je trouve ça hyper cool. Je sais que vous n'étiez pas du tout chaud quand vous avez vu le trailer, etc. Mais alors, je trouve le jeu méga cool. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça vous évoque. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. J'aime bien le principe. Il y a plein de... Non, je trouve très, 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 très sympa. On va prendre la compétence au hasard. Et on peut prendre... Pourquoi ça n'a pas baissé? Point d'héritage, 12 sur... Ah si, il en reste 7. Et on va prendre... Faut juste passer la quatrième nuit. On va prendre octroi 5 gouttes de sang au début de tour. On va prendre ça. C'est deux petits bonus qui devraient nous aider. Et général et château. Mince, il y avait ça aussi. Mince, il y avait ça aussi. J'ai pas regardé. VIP. Les catégories du marchand ont un objet de plus. Lot de consolation. Octroi un atout au choix à la fin de l'acte 1. Il faut arriver à la fin de l'acte 1. Point d'expérience obtenu, plus 25%. Ça, c'est pas mal, par contre, mais on n'avait pas assez de façon. Vous commencez avec plus de 100 pièces d'or, ça aurait pu être bien. Commencez avec une pièce supplémentaire, ça aurait pu être bien. Commencez... Alors, attends, peut-être que je peux annuler. Bon, après, je veux pas spécialement annuler, mais c'était pour savoir. Non, on peut pas. On peut pas, je pense, donc faut faire attention. Commencez avec un point de compétence, ça aussi, c'était propre. Augmente les points de santé du cercueil de 2. Commencez avec 9 points de renommée. Octroie au cercueil plus 1 point de régénération. Le sale du cercueil a 3 emplacements de décoration. Ok. Château Nazmir. Agite 6 nouvelles pièces et une nouvelle entrée. Alors c'est Château Vélard. C'est quoi? C'est l'acte 1, acte 2, acte 3? Ça peut être. Peut-être ça c'était obligatoire à prendre. Hein. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Ok. Dommage, vous n'avez pas remporté la victoire. Bah, je sais, oui, hein. Recommencez. Ok. Ok, ok. Vas-y, on s'en refait une. Ah, du coup, quand tu fais recommencer, c'est avec le même héros. Mais ça me va, ça me va, ça me va. Ok. Donc là, on peut absolument rien faire. On est d'accord. Logiquement, si je regarde ici, j'ai une compétence de plus, non? Attends, je suis pas censé commencer avec un don ou je sais pas quoi, un truc de plus. Ça. Drain de sang, applique invulnérabilité à la cible et le seigneur vampire obtient 25 gouttes de sang. Donc je peux le mettre là. Ok. Oui. Ok. Alors beaucoup de jeux pour tout débloquer, c'est ça. Il me remet le tuto. Bah let's go, hein. Baston. Début du combat. Il me remet le tuto, tout ça. Donc là, je prends 4 dégâts magiques. Donc cette fois-ci, je sais que ça sert à rien. Pour l'instant, augmenter du sang, on s'en fout. Donc on va juste bourrer. Ok. Donc là, on a 3 dégâts physiques. On va faire... ça
On va faire ça. Et on va faire ça. Fin du tour. Dommage, vous vous êtes fait exterminer dès votre première partie. Essaye encore. Moi, j'aime bien qu'on se moque de moi quand je meurs. C'est un truc que je trouve cool. D'ailleurs, il va falloir que je remette une bûche bientôt. Mais c'est, je faut pas que ce soit... Mais je sais pas, un écran avec un truc qui rigole ou n'importe quoi. Surtout sur un Souls. J'aimerais beaucoup un truc sur un Souls où quand tu meurs, on se moque de toi. Je sais pas, je trouverais ça cool. Peut-être qu'il y a des gens qui casseraient encore plus leur manette. Hein, c'est possible. Hein. Enfin, j'aurais dû mettre ça avant, du coup. Vu que là, ça servait à rien de mettre la... Hop. Ok. Alors, un point de compétence, point de salle. Est-ce qu'il va me redonner les mêmes récompenses ou pas? Nuit 2. Est-ce que vous vous rappelez, c'est la même chose? On avait pris ça tout à l'heure. Non, je crois que c'est pas pareil. Ça, c'est pareil. Obtient 15 au moral et 5 dégâts magiques. Obtenez 5 points d'armure magique. Après avoir utilisé barrière de péricide, votre prochaine peau de gargouf vous octroie plus 3 armures physiques. Je pense qu'on va prendre ça. Obtenez 1 force ou 1 intelligence jusqu'à la fin de la confrontation et plus 2 à la limite d'utilisation de la lance de sang. Ça aussi, c'est bien, mais ça coûte et du sang et un point et ça 4 de CD. Je pense qu'on va prendre, du défensif, là. Ok, et ensuite, on a le droit à une salle. Octroie instantanément 3 points de célébrité. Augmente la rentrée d'or de 150. Toutes les unités ennemies perdent 3 morales. On va prendre ça parce que ça donnera peut-être des bonus. Ok, donc pièce. Voilà, on va se mettre là pour la célébrité. Donc il y a quelqu'un qui arrive, ils sont deux. Bah let's go, hein. Let's go, let's go. J'ai rien d'autre à faire, non. Je peux pas trop regarder le stream car le jeu me rebute trop, mais j'écoute. C'est ouf, à ce point. Alors, on a 4 dégâts physiques, on a un appel désespéré. Donc là, on va protéger 3 dégâts physiques et on va bourrer ensuite. On va juste garder skill au cas où un tour, on n'est pas à protéger quoi que ce soit. Donc là, ok, on a pris 1. Là, par contre... On fera pas assez, hein, c'est pas sûr qu'on le tue, hein. Ouais, on le tuera. Qu'est-ce qui est le mieux? Je peux protéger 6, je prends que 2. Ou je le tue et je prends 4. Après, on va le tenter parce que si je fais un crit, c'est tout bénef. Ah, non, c'est triste. C'est triste. Ok. Ça fait quoi la célébrité? Ça te rend célèbre. C'est le truc de renommée, je pense, ça doit être ça. Je suis pas sûr. Là, par exemple... Ouais, non, mais vu qu'on a que 2 utilisations de lance, on peut se faire ça avec ça. Ça. Parce qu'il n'y a pas l'air de changer grand-chose, en vrai. Hein. Pause. Pause, c'est quoi? Le chasseur est trop épuisé pour faire quoi que ce soit ce tour-ci. Ah bah oui, c'est pas facile. Hein. Alors, ça n'a aucun intérêt que je fasse quoi que ce soit. Si, ça, ça donne du sang et ça, ça en utilise. J'ai envie de... Voilà, je trouve ça joli. Voilà, magnifique. Il était fatigué. C'est pas facile aussi d'être villageois. Ok. Bah, let's go. Hein. Allons lui casser la figure. Donc, on a pas mal de sang. C'est plutôt cool. Et puis du combat. Pour le moment, je trouve le jeu très sympa. La DA me dérange pas. Après, je fais rarement gaffe au graphisme. N'oubliez pas qu'il y a une démo aussi si vous voulez tester. Hein. Donc, ça, il faut. Ah mince, non, on a perdu tout le sang. Donc, si on veut ne pas prendre de dégâts, on peut faire ça, ça, ça. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ok. Et merci, Oupi, pour les 11 mois. Merci beaucoup. Donc là, on a du dégât magique et elle qui veut soigner. Du dégât physique, pardon. Donc, on va faire 1, 2, et se protéger. Ok.
Donc là, c'est bien parce qu'on va pouvoir faire 3 attaques ici. Et voilà. Il n'y a rien d'autre à faire. Appel désespéré qui va augmenter son moral. 4 dégâts physiques. Donc, on va tenter de prendre 0, même si ça rend le combat un peu plus long, on va voir. Mais il y a des chances qu'il aille réattaque derrière. Donc du coup, ça revient un peu au même. 1, 2. Ah mince, maintenant on en a 2, mince, j'aurais peut-être pu. On va prendre qu'un. Et là, on le tue. Ok. J'aime beaucoup la gestion entre le fait que tu aies des cadeaux, que c'est assez simple au final. J'avais peur que ce soit compliqué de tout comprendre, tout ça, mais en vrai, ça va. Alors, on a eu quoi? On a eu ténacité plus 4 constitutions, plus 2 vols de vie, plus 1 force infinesse, plus 1 finesse, 2% de critique. Vas-y, casse constitution, ça a l'air génial, c'est bleu. Et on va aller voir ce que fait constitution. J'imagine que c'est des HP. Plus 1 à l'armure physique et magique conférée par les compétences. Ah! Ok. Ah, voilà. Voilà. Là, on discute, là. Là, on discute. Miroir. Inflige des dégâts magiques égaux à 2 fois vos cristaux actuels. C'est quoi, les cristaux? Attends, il n'y avait pas cristaux, là. Qu'est-ce que tu racontes, des cristaux? C'est quoi, les cristaux? Octroie 1 armure magique par cumul à chaque début de tour. Mais on n'a pas de cristaux, en fait, tout simplement. Implosion. C'est le fameux truc qu'on avait déjà vu. Tu peux buff ta carapace avec ton spell 4. Oublie pas. En plus, oui, c'est vrai, t'as raison. J'avais oublié. Et on a Luxure, inflige 5 dégâts au moral de chaque chasseur. Obtenez un bonus passif qui octroie 2 lignées immortelles au seigneur vampire à la fin de chaque tour. Jusqu'à la fin du combat, ce bonus peut s'accumuler. Mais ça fait quoi des lignées immortelles? lignée immortelle. Attends, il y a un truc là. Octroie 500 au début de chaque tour. Et ça coûte trop cher, quoi. Non, on va prendre ça. Hein. Ok, là, on a quoi d'autre? On a un bijou. Alors, on va commencer par les rares. Commun. Si utilisé, inflige... Il y a 3 CD. Inflige 10 dégâts au moral d'une cible. Ce bijou inflige autant de dégâts magiques que de dégâts infligés au moral. C'est pas mal. Du coup, ça fait dire 10 de dégâts, comme ça, gratos. 5 CD, si utilisé, lance 1 à 3 javelots de sang sur la cible. Chaque javelot qui touche la cible inflige 3 dégâts magiques et octroie un cumul de sangsu au chasseur. Sangsu. Redonne 1 PV au seigneur vampire par cumul de l'ennemi à la fin du tour, puis disparaît. C'est pas mal. Et le fouet, si utilisé, retire les bonus d'un ennemi. La cible inflige 3 fois plus de dégâts pendant 3 tours, puis meurt instantanément. Non, ça, ça n'a pas l'air d'être le bon plan. Faut qu'elle fasse 3 fois plus de dégâts. Bon, ok, enlever les machins, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on prend? 2, ça fait 10 dégâts quand même. Hein. C'est pas mal. Hein. 3, 1, 3 javelots qui font... Ça fait entre 3 et 9 de dégâts, mais ça met le sangsu. Après, c'est vrai qu'on peut le faire en début de combat et le mettre sur l'ennemi qu'on ne target pas. Mais ça nous permet de tuer plus vite un ennemi. Ouais, je pense que je vais prendre 2. Et là, donc on a le marchand, mais on n'a que 200 or. 200 or, 200 or. On ne peut pas acheter tout ça. On peut acheter ça. Si utilisé, inflige 10 dégâts au moral de chaque chasseur. Non, c'est juste du moral, c'est non. Là, on ne peut rien acheter. Ça, c'est du piège. Ça, augmente les PV max du seigneur. On peut prendre ça en attendant. Bon, ça, on a vu que c'était à utilisation unique, donc bof. On va prendre ça. On va acheter un bijou. Retourner au château, oui. On va. Est-ce que. Alors, on a 64 PV. Est-ce que équiper le truc. Oui, ça nous a redonné les PV en même temps que de nous les augmenter. C'est pas mal. Et attends, on a trop de compétences là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le truc magique. Ça, on s'en fout un peu. Donc, je pense qu'on va mettre ça à la place. Voilà. Ok. Je pense qu'on est bon. Let's go. Une nuit de plus. Ah non. Il vous reste 3 points de renommée utilisés. Voulez-vous continuer? Non. Renommée, c'est ici. Ok, on a 3 points de renommée. Donc là,
à 3 points, octroie un bijou au choix et vous commencez le combat avec 3 cristaux. Ah mince, on aurait pu avoir le truc des cristaux. Octroie 100 pièces d'or à chaque fin de nuit, ça a l'air pas mal, et ça malheureusement, ça nous fait juste repasser à 0. Octroie un piège au hasard et un sbire faible à la fin de chaque nuit. Ensuite, du coup, critique, octroie un ticket de marchand et 300 pièces d'or. Octroie une salle au hasard, octroie 3 finesses. Oh, je pense qu'on va prendre ça. 1, 2, 3. Revendication. Séduction. Ok, donc là, j'ai chopé un bijou, normalement. Oui. Alors, lui, c'est juste de l'attaque au moral. Bonus passif. Lorsque ce bijou est équipé, chaque chasseur éliminé vous rapporte un piège aléatoire. C'est très sympa. Hein. Bonus passif. Augmente les PV max du seigneur de 20. C'est peut-être encore plus sympa, ça. Vas-y. Donc là, on est à 84 HP, maintenant. Parfait. Parfait, parfait. Salut Isama. À gauche de ta lance, tu as ta compétence de lignée activée en combat. Ah mince, il y a un truc que j'ai pas fait. Ok, je vais regarder. J'ai complètement oublié ma compétence de lignée. Alors. Ah bah, je me suis fait attaquer direct. Ok. 3 bijoux à la suite, Crane devient bling bling. Obtient 5 armures magiques et entre 1 et 3 de puissance au hasard. Ok. Alors. Donc maintenant, ça file beaucoup. Vas-y, on va faire ça. Donc là, on a 14. C'est pile ce qu'il faut pour bloquer. On prend 0. Donc là, il va frapper à 7. 1, 2, 3, mais on n'a pas récupéré. Il faut 4 lances. Si on fait ça, est-ce que ça me donne ou pas? Vas-y, on va tenter. Non, mais ça buffera mon prochain, ok. Et ça, c'est de l'armure magique, donc on s'en fout. Donc on va quand même prendre 7, ça fait mal. 7 fois 2 dégâts. Ah, ça me la buff pas, c'est uniquement pendant le tour. Ça, c'est chiant. 1. 2. On utilise ça. Ce qui nous fait 10. On a tué celui de derrière, je ne l'ai même pas fait exprès, à vrai dire. Ah oui, le bijou, j'ai oublié le bijou. Oh mince, le bijou. J'ai complètement oublié le bijou. Bon, à 14, logiquement, ça aurait pas... Ah bah si, maintenant. Ah, et ça fait 12 en plus. Ok. Bon, on a réussi, c'est l'essentiel. Hop. Donc, pensez au machin quand je me prends des dégâts magiques. Début du combat. Là, par exemple, il y a 6 de dégâts magiques, donc je peux l'utiliser. Et ce qui m'a donné, le multiplicateur de dégâts augmente de 5% par cumul, ce qui fait quand même 15% de dégâts en plus, hein, ce qui est loin d'être dégueu. Donc là, on va faire 1, 2, 3, plus ça. Ok, on est bon, on est bon, on est bon. Donc là, on a du full dégâts physique, sachant qu'on devrait tuer ça. 5 de... Non, il y a des chances... Est-ce que ça tue ou pas? On va faire le bijou. Ouais, mais non, c'est con. Non, on va faire ça. Ah, dommage. Ok. Là, par contre, je peux faire le bijou. Ça ne mange pas... Ah, il manquait pas grand-chose. Hein. Il manquait pas grand-chose. Ah mince, ça m'a... Non, si, c'est bon, j'ai rien pris. J'ai encore cliqué sur le mauvais. Faut que je le fasse à la... Ok, ça s'est pas mal passé. Ouais, le 4 de Constit fait toute la différence. Hein. Point de renommée 6. Bim! Alors, renommée. Renommée, on a 6 à dépenser. Donc déjà, on va monter à 6 ici et on va monter à 3 ici. Ah non!
Non, ça n'a pas sélectionné. Non, mais j'ai cliqué. On va monter à 9. Revendication. Ok, donc j'ai 5% de chance de coup critique maintenant, en plus. Ici, on a quoi ? Plus 4 vols de vie et plus 1 endurance. Plus 3 endurance. Endurance, on a vu que ça nous mettait très bien quand même. Hein. Donc, je dirais éternité ou sensu, un des deux. Peut-être sensu, c'est quand même 4 vols de vie. Ouais, vas-y. Le jeu du misclic. Oui, c'est le jeu du misclic. Hein. Alors, frappe 2 fois des cibles au hasard, inflige 3 dégâts à chaque et 2 dégâts magiques en plus pour chaque lance de sang invoquée pendant ce combat. Limite de charge de lance de... Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est 32 sang. Là, les 2 prochaines compétences coûtent 5 gouttes de sang au lieu de PA. Et le seigneur vampire obtient 10% de chance de critique ce tour. C'est pas mal du tout, ça. Et merci, Charline Redshose. Merci à toi. Merci pour les 2 mois, et bim, et coucou. Droit du sang. Donc, ça, 5 de CD, ça coûte 1 PA. Obtenez un bonus passif. À chaque fois que vous utilisez du sang, vous obtenez plus 1 force ce combat. Ce bonus passif peut se cumuler. Ça aussi, c'est très fort. Oh, ça aussi, c'est bien. Tout est bien. Tout est bien. Ça, ça permet d'avoir du vrai dégât. Hein, et ça coûte que 1. Ouais. Je pense que je vais prendre 3. Je vais prendre 3. Et on a une nouvelle salle. Alors, on a quoi ? Toutes les unités ennemies perdent du moral. Donc ça, c'est bien pour le niveau 2, mais tant que c'est niveau 1, c'est pas ouf. Le forgeron pour enfin avoir de la thune, c'est peut-être important. Et ça, on connaît pas. Obtenez instantanément 4 sbires faibles. Oh, on va prendre ça. Voilà. Donc là, on va regarder les compétences. On veut équiper ça. Bah, elle est équipée, c'est nickel. Ça, on s'en fout. Ok, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Trop tard avec mon décalage. C'est quoi les 2 cases en bas ? Ah mince ! Mince, mince, mince. Alors attends, je veux voir quelque chose. Est-ce qu'on a récupéré toutes les utilisations ? On va voir. Donc là, il y a un gros Billy qui arrive. Les 2 arrivent par le bas. Par contre, on n'a vraiment pas envie qu'ils arrivent en même temps. Ah voilà. L'invasion commence. Donc là, le problème, c'est qu'on ne veut pas se les taper. Ah, quoique c'est à la suite, c'est pas tout en même temps. Donc en vrai, vas-y, let's go. Hein. Moi, je dis let's go. Vas-y, on y va. Début du combat. Ça va super bien se passer. Super, super bien se passer. Je ne vois pas comment ça pourrait mal se passer. On va utiliser ça. Bon, ça, ça donne de l'armure magique, mais je vais l'utiliser pour la puissance. Ah, on n'a que ça qu'utilise du sang au final. Ok. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Le truc, c'est qu'il aurait fallu ça et ça et ça, et on fait pas de dégâts autres. Ça, ça demande 20. C'est pas ouf. Bon, utiliser ça nous sert à rien, mais d'un autre côté, ça... Oh, le CD... Ah, oh, vas-y. Ok. Ils font que 40 dégâts. Non, on dit pas ça. Tout se passe très, très bien. Très, très, très bien. Mais c'est quoi ces dégâts ? Comment tu veux que je m'en sorte, moi ?
Ah, je peux pas, hein. Il faut que je refasse encore une. Ah, je peux toujours pas. Plus 1 tous les 3 tours, plus 1 tous les 5 coups critiques. Ah, oh, vas-y. Bon, bah, continuons de se faire défoncer, hein. Je sais pas quoi vous dire de plus. Ok. À 0, je sais plus ce qui se passe, mais il se passe des trucs. Ah, là. Ah, c'est dommage, je peux utiliser. Bon, je vais garder pour le tour d'après, du coup. Attends. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un peu moche, là, parce qu'à part faire deux lances, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'on va pas utiliser ça? On va garder pour le tour d'après. L'item, ce sera au tour d'après. Là, ils font tous des améliorations, je ne sais pas quoi. Ça, je ne peux pas l'utiliser. Ça, je ne peux pas l'utiliser. Ça n'a aucun intérêt de l'utiliser. Ok. Ok, alors là, il faut qu'on réfléchisse. Déjà, on veut utiliser du sang pour se buffer. Force. Ok. Là, ça nous buffe la prochaine utilisation de ça. Là. Alors déjà, on va tirer et on verra après. 1. 2. On va tuer lui. Petit crit à 21, j'aurais bien aimé le faire sur quelqu'un d'autre. On va faire ça. Alors, j'avais pas besoin en vrai. Mais bon, ça va. Eh, c'est pas mal, c'est un élite là. Hein. On rappelle. Waouh, 7 x 3. Pourquoi ? Je réfléchis, est-ce que j'en fais 3? Ok, fin du tour. Donc là, on va prendre 8. Donc là, on peut attaquer... c'est ça, ça me buff force. Tiens, l'élite, bim! Ok. 9 x 3. On fait ça pour se buffer force. Est-ce que ça va le rebuffer encore plus? Non. Donc, je prends quand même méga cher. Ok. Maintenant, c'est quoi le plan? On peut faire deux de ça et ça, c'est tout. Tout le reste, on s'en fout. Presque tué. Ok, let's go. Début du... Ah non, c'était pas l'élite! Ah, c'était pas l'élite. C'était le fight normal. Ah. Ah. Alors, attendez, je réfléchis. Je réfléchis. Il n'y a pas de magique, mais on pourrait quand même le faire histoire de se buffer. J'aurais dû le faire avant ça, du coup. On va tuer quelqu'un.
Ok, donc je vais prendre que 8. C'est quoi 8? C'est rien. C'est rien. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça frappe les deux? Bien sûr que non, ça aurait été trop beau. Ok, donc les ZAD sont morts. Vive les ZAD. Là, je peux rien faire d'autre. Fin du tour. Non, non, non. 16 dégâts. Non, non. Est-ce que là, ça frappe les deux ou là? Oui. Ok. Donc j'ai 10 d'armure. Je prends que 6. Pas bien. Bien. Bon tour ça. 13 dégâts. Réfléchissons. C'est du dégât magique. Nous, on a des augmentations de quoi, déjà? On a de la force en augmentation. Donc, on n'a pas d'augmentation des dégâts magiques. Donc, on est obligé de faire ça. Ok, ça l'a tué. Il nous fait 13 dégâts. Malheureusement, on est obligé de faire ça. Et on ne peut rien faire d'autre. Donc là, il va invoquer... Non, 6 x 3. Ok. 1. Hein. 2. Oh mince, j'aurais dû. Ça, ça va rien changer. Oh, on lui aura fait du dégât. ...35 points de vie. Ok. Ah, on va pas pouvoir faire plus de dégâts que ça. Hein. Ah, j'aurais dû faire ça du coup. On va utiliser une comme ça. Peut-être que j'ai pas le choix, il faut que je fasse ça pour cumuler en vrai. Ok. Ah mince, vous voyez pas sa barre d'HP? Hop. Tac, voilà. Vous pouviez me tag et me demander de bouger la cam. Hein. Hop. Merci, Sard. ok, alors attends. 6, 18. 18, c'est beaucoup quand même. Hein. On va faire ça, ça va buffer force. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et il frappe qu'à 4, donc on est bien. Treize, fendage de fantassin. Ok, là maintenant on réfléchit. Le truc, c'est qu'on veut utiliser des lances pour faire repop ça. J'aurais peut-être dû garder pour les ZAD. Ok. Et il y a encore... Bon là, par contre, il va frapper les deux en même temps, ce qui m'a l'air plutôt bien. Je vais faire ça pour augmenter la force, en espérant qu'il y ait un truc qui pop là. Oui. Et là, je suis partagé. Ah, ça fait descendre le moral, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc il est à 55, il va avoir un malus en dessous. Il faut que je refasse ça encore, j'aurais dû le faire avant. Ok. Vu l'horreur en face, c'était mieux de remettre la cam, ouais. Donc là, on veut juste bourrer.
Donc, ce sera intéressant de redescendre son moral encore, parce que s'il est en dessous 50, il sera étourdi au début du prochain tour. C'est dommage qu'on ne puisse pas l'étourdir maintenant, mais j'ai pas le choix. Ok, donc là... Ah, il n'a pas invoqué. Il n'a pas invoqué. On ne fera pas plus d'une invocation, donc logiquement, on peut faire ça. Ensuite, on va... Oui, c'est bon. Ok, 45 au moral, il fait que 3 de dégâts et il sera étourdi au début du prochain tour, logiquement. Mais il a invoqué. Mais il est étourdi et il frappe quand même ? C'est quoi cette arnaque ? Alors, on veut continuer d'attaquer le moral. Donc, on va faire... On va se rebuffer avec ça. On va faire ça. On va faire ça. Et malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Hein. Et du coup, là, je vais me faire défoncer. Je vais prendre 13 ou il est étourdi pour de vrai ? On verra. Non, il n'a pas frappé. Yes ! Ok. Là, on frappe. 1. J'ai rien d'autre à faire. On va faire ça. J'aurais dû faire ça avant, en vrai. Il me reste 1. Ok. Ça se passe mieux que prévu. Hein. Donc, je suis partagé entre augmenter la force pour faire ça ou pour garder pour le tour prochain au cas où. Oh, ça a l'air bien, ça. Ah, du coup, on va augmenter la force. De quoi j'ai l'étal ? Oui, je pense que j'ai l'étal. Mais attends, on va faire ça. Allez ! Et bim, l'élite ! Oui ! Mais c'est moi où on n'a rien gagné de spécial ? 6 points de renommée. Ok. Bon, c'était pas facile. Nuit 5. On n'a jamais été aussi loin. Donc, on a gagné une décoration. Vous obtenez 2 lignées immortelles au début du combat. Ça a l'air génial, ça. Ok. Et tout ce qu'on a, c'est ça ? Je me sens un peu arnaqué. Inflige des dégâts magiques égaux à 2 fois vos cristaux actuels. J'ai des cristaux en plus maintenant, non ? Oh, je sais plus. Attends, il n'y a pas une histoire comme quoi j'ai des cristaux ? Inflige 15 dégâts physiques. Si vous avez plus de 80 gouttes de sang, inflige 35 dégâts physiques à la place. C'est pas mal. Les 2 prochaines compétences coûtent 5 gouttes de sang au lieu de PA. Le seigneur vampire obtient 10% de chance de critique ce tour. Est-ce qu'on attend que... Versatilité, c'est sympa quand même. Hein. Corde sensible peut être cool. Le nombre de fois où on n'utilise pas certaines de nos compétences, parce que notamment la compétence qui coûte 2, ça pourrait nous permettre de beaucoup plus facilement utiliser. Versatilité, j'aime bien, en plus ça peut être utilisé à chaque fois. Le 3, une limite d'utilisation. Comment ça ? Limite d'utilisation 4, première utilisation 1, gain de limite d'utilisation plus 1 chaque tour. Ouais, mais je pense qu'on n'a pas besoin chaque tour. Bon, ça c'est fort. C'est quand même 45 de dégâts. Mais il faut avoir 80 gouttes de sang, donc il faut que le fight soit quand même bien avancé. Je sais pas. Non, j'ai envie d'essayer versatilité. Et donc si j'appuie sur C... Ah, par contre, ça veut dire qu'il faut virer quelque chose. Ça, c'est moins drôle. C'est moins drôle parce que j'aime tout. Ça, ça combote avec ça. Ça, c'est ce qui nous a permis de descendre le moral. Ah, dommage. Je pense qu'on peut pas le mettre. Il faut attendre. Il faut attendre. Alors par contre, attends, on a de la renommée logiquement. On a 6 points. On va mettre la finesse. Hein. Voilà, revendication. Cette fois-ci, on passe bien là-dessus. C'est quoi ça déjà ? Tous les ennemis sont affaiblis, un piège. Oh, ça aurait été peut-être bien. Tous les ennemis sont affaiblis à chaque début de tour. Hein. Vas-y.
On a 392 et on peut absolument rien faire d'autre. Hein. Bon, je pense qu'on va mourir là. Hein. Je vois pas. Il nous reste combien ? Il nous reste 49 PV. Il y a plein de choses qui arrivent. Il y en a deux qui arrivent vers le bas, un qui arrive par ici. On va se mettre là. Ils vont piller des salles, tuer le seigneur, piller des salles. Ok, let's go. Début du combat. Donc on va directement faire ça. Donc là, on craint rien de lui. Maintenant. On va utiliser une comme ça, mais je suis en train de réfléchir ce que je fais. Il y a quand même beaucoup d'HP. Hein. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'HP. Donc je pense que faire ça... Ah oui, mais c'est parce que j'ai pas le... Ça nous donnerait 20 gouttes de sang pour nous mettre bien, mais d'un autre côté... On va faire ça. Ah, je sais pas. Vas-y. Ah mince, j'ai pas fait l'item. Non, j'ai pas fait l'item. Ah, j'ai 5 PA Nao grâce à l'élite. Oh, trop bien. Ok. Donc là, tu me fais 10 de dégâts et on veut ce buff force. Donc on veut faire ça. Suivi de ça. Ok. Armure améliorée, barrière magique. Donc là, il y a deux écoles. Ouais, c'est le souci. On a, j'ai plein de PA, mais j'ai pas assez de trucs à utiliser. À part faire deux attaques, qu'est-ce que je peux faire ? Ça, ça me buff en force. Mais bon, d'un autre côté, si je dois me protéger magiquement... Non, je peux pas. Eh bah, ben, c'est tout. Hein. Je ne peux rien faire d'autre. Là, on va réutiliser ça pour se buffer. On va utiliser ça pour se buffer force. Et au passage, voilà. Je vais descendre leur morale ou est-ce que je... Non, vas-y, je descends le moral. Je refais ça. Je suis à 17, il frappe à 18, c'est nickel. Nice. Et il s'est heal 2. Ouais, c'est pas ouf tout ça. Donc ça veut dire que j'aurais dû tuer elle en premier, ce qui est un peu logique, mais lui il est devant. Ok. J'aimerais bien qu'il y en ait un qui pop là. Mais ça n'a pas pop. Ok, donc on va prendre 7, non 4. Ça va, ça pourrait être pire. 14 x 2, ça n'a pas l'air bien. Ça n'a pas l'air bien. Est-ce que je... On va faire ça pour se buffer force et au cas où. Non, non, j'ai eu peur. Prends ça. Merci. Voilà, nice. Nice, nice, nice. Et on peut même faire ça que j'aurais pu faire avant en vrai. Ok, il me frappe à 7. On va faire ça pour le passer en dessous 50. Comme ça, il sera stun. Il nous reste 3. On peut faire 1. Alors, j'aurais pu faire ça. 2. 10 d'armure. Ok. Il est stun, donc on va juste bourrer. Hein. Et je peux pas faire grand-chose d'autre. Ah bah, il est mort grâce à l'item. Ok. Ok, ok. Allons-y. Donc, de nouveau un prêtre. On commence par ça. Puis ça. Puis... Ça. Puis...
ça. Puis ça, c'est pour se buffer surtout. C'était pas mal comme premier tour, ça. Ok. Ensuite, 6 de dégâts. On continue de bourrer le prêtre. Et de se mettre de l'armure pour lui. 22, le relou. Là, il va mettre une barrière magique. Alors la question, c'est est-ce que j'utilise ça pour me buffer ou pas? Sachant que j'ai pas grand-chose à faire et qu'on va avoir le miroir au tour prochain, je pense que oui. Et malheureusement, je peux rien faire d'autre. Fin du tour. Donc 10 de dégâts. Donc ça, je peux pas utiliser. Ça, je peux utiliser. Ça, on l'a pas de dispo. Donc 50, le prêtre sera stun au tour prochain, mais je pense qu'on s'en fout. 1, 2, j'aurais dû faire ça avant, tant pis. Ok, on prend 0. Ça se passe mieux, hein. Ça se passe mieux. Hein. Là, on a 10 dégâts. Alors, je vais utiliser le clavier, ça va mieux. Fin du tour. Et je régène grâce à mon vol de vie. Ouais, non, ça se passe très très bien. Ça se passe extrêmement bien. On va faire ça. On va faire ça. On va faire... Ok, 3 fois 6. On va faire ça. On va qu'à dire qu'on fait ça. Attends, ça se trouve... Non, je le tue pas. Ok, on prend pas de dégâts, on est full life. On est full life, le comeback. Le comeback, let's go. Ok, fin du tour, il est où le troisième? Il est encore en bas. Bon là par contre, il va y en avoir trois, ils vont peut-être être en colère. Hein. Ok. Full HP, ouais. Ok, là... Ça, c'est pour me buffer force. On va vouloir sortir elle. Hein. Je pense qu'il faut que j'accepte de prendre des dégâts pour garder. Ok, ça va faire bobo. Ok. Là, on bourre. Le problème, c'est que si j'utilise le deuxième, j'en ai 0 au prochain tour et je vais rechoper la barrière plus ça parce que ça, il en faudra 4. Je vais pouvoir faire que 2 lances. Je récupère pas ça, pas ça. Ouais, on va faire fin du tour. Font mal quand même les ennemis. Hein. Et il se heal de 19. Hein. Lui fait très très mal aussi. Donc là, on va directement faire ça pour se buffer force. Plus ça. Et maintenant, on fait des lances. Et c'est tout. Et j'ai rien d'autre à faire malheureusement. Ok. Ok, on a très très mal, on a récupéré l'item, ça c'est cool, on a ça qui est récupéré aussi, on va descendre leur morale. Ok, un en moins, ça, ça, j'aurais dû faire ça avant, pour les dégâts, et il me reste une lance. Lui a moins d'HP, non ils ont à peu près le même HP, et lui fait beaucoup plus mal, donc on va vouloir sortir lui. On va prendre 9. Oh là là, ils font tellement mal. Ça n'a pas repop, malheureusement. Bah, je peux rien faire d'autre. Hein. Aïe. Aïe. Ah, mais il y en avait encore. 9 de dégâts.
Ah, on va faire ça. Ça. Je garde pour le prochain tour au cas où. Ok, ils font mal hein, les mobs. Hein. Heureusement que tu as pris le HP max. Ouais. Ah, là, c'est plutôt la démontada. Oui. Oui. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Ah, j'aurais dû faire ça avant. Je le ferai au tour d'après, du coup. Ah, mais même là, en fait, je me prends masse dégâts. Bon, normalement, il est stun au prochain tour. Ok. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose ? Bah, le tuer, mais bon. Ok. En tout cas, on a réussi la nuit encore. Donc c'est pas mal, c'est un nouveau record. Ah mince, ma... Oh non, il n'y a plus de feu. Vite, vite, je reviens YouTube, je reviens. Vite. Il y a encore des petites braises. Ouf, je pense que ça va repartir. J'espère. En plus, j'avais préparé une énorme bûche. Là, je lui ai mis une bûche. Mais alors, truc de ouf. Ok, qu'est-ce qu'on a ? Il y a une tempête d'or, je crois. Commencez le combat avec 6 épines par cumul. Plus 2 constitutions, plus 1 force, plus 2 endurance, plus 1 intelligence... Ah, ténacité. Attends, c'est quoi déjà endurance ? Constitution, ça buffe mes shields. J'aime bien buffer mes shields. Mais un... C'est quoi déjà endurance ? C'était quoi endurance ? Je sais pas, mais on va peut-être prendre constitution. Hein. Buffer les shields, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'en pensez-vous ? Je ne saurais dire... Je sais pas ce que fait endurance, en fait, j'ai confondu endurance et constitution. Un peu de dégâts de base. C'est pour courir longtemps. Ouais, j'ai confondu endurance et constitution. Qu'est-ce que ça fait endurance ? Ah, vas-y, on va prendre guerrier, on est un guerrier. Ouais, mais ça buff pas les dégâts magiques en vrai. Hein. Non, je vais prendre ténacité, on est très tenace. Et on va regarder c'est quoi endurance déjà. Endurance, ça augmente les PV max de 1 pour chaque point. Ok, c'est les PV max. Et constitution, c'est le shield. Ok. Bon, c'est bien comme ça. C'est bien. Et on a un emplacement de plus. Donc, on va pouvoir mettre quelque chose. Mais en vrai, on se rend compte qu'on a besoin... Attends, ça, c'est... On peut les... Non, on peut pas. Donc là, il y en a ces deux-là qui sont pas mis. Mais en vrai, on voudrait un truc qui utilise des AP. Drain de sang est pas si mal, hein, finalement. Hein. Parce que tu mets la vulnérabilité, vu la longueur des combats, drain de sang devient intéressant. Hein. On va regarder ce qu'il nous propose ici. Alors, inflige 5 dégâts physiques à la cible avec un malus qui renforce l'épée. La cible reçoit plus 1 dégât pour chaque cumul. Ok. Inflige 4 dégâts magiques au chasseur ciblé. Cette compétence a 100% de chance d'infliger des dégâts critiques s'il vous reste moins de 30 gouttes de sang dans votre réserve. Ça me fait pas rêver. Obtenez 30 gouttes de sang plus 1 finesse jusqu'à la fin du combat. À chaque coup critique que vous infligez, le délai d'utilisation de la capacité diminue d'un tour. Ça, c'est simple. Le 1 est sympa, mais on n'a pas la place, quoi. Qu'est-ce que vous préférez ? Je pense qu'on va mettre la vulné de toute façon. Ça, c'est peut-être très sympa, hein, je sais pas. Alors, on va prendre le premier par défaut. Mais je pense qu'on va mettre la vulnérabilité. Je pense qu'on va mettre ça. Ensuite, on a quoi ? On a inflige 10 dégâts purs à une cible unique, mais 5 de CD. Octroie instantanément 25 gouttes de sang. Ok. Retire les bonus d'un ennemi, la cible...
Inflige 3 fois plus de dégâts pendant 3 tours, puis meurt instantanément. Mais c'est pas bien, ça. Hein. On va prendre ça, mais bon. Et ensuite, on a une salle. Alors, il nous faudrait une salle qui nous... On pourrait up. Tous les vampires obtiennent plus 1 force à chaque début de tour en combat. On pourrait avoir ça, vu qu'on l'a déjà niveau 1. Obtenez instantanément 2 décorations et 1 piège. Prestige augmenté de 6. Ou alors, on pourrait avoir les vétérans lâchent une décoration. Non, merci. Je dirais upgrader la salle du forgeron. Ça a l'air bien pour le force. Hein. Ça a l'air bien. Et d'ailleurs, si je fais ça, comment ça marche? Je peux la mettre dessus? Donc ouais, elle est passée niveau 2. Ok. Et donc, on a un shop, on a 692 d'or. Donc là, on peut peut-être se faire plaisir. Par exemple, on pourrait acheter cette salle à 300 qui fait perdre de morale chaque tour en combat. Ça m'a l'air très bien. Ça m'a l'air très bien. Sinon, on a quoi? Obtenez un bijou toutes les 3 nuits, obtenez instantanément 4 sbires faibles. Là, on a des décorations, octroie 2 constitutions. C'est plutôt très bien quand même. Ça fait combien? Ça fait 623 si on prend les deux, ça marche. Obtenez un sbire plus fort toutes les 4 nuits. Obtenez un sbire faible au début de chaque nuit. On a des sbires, on a des pièges. Utiliser octroie un blocage, ça peut sauver la vie, mais bon. Bon, le spécial, malheureusement, plus 1 force, plus 1 finesse et plus 1 intelligence. C'était très mignon. Très sympa, mais on ne l'aura pas. Ouais, j'aurais tendance à dire ça. Attends, j'ai pas vu ça, par contre. Octroie 2 intelligence. Ah, c'est pas mal aussi. Mais le 2 constitution, il me fait bien rêver. 2 constitution plus la salle de la terreur. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, la salle de la terreur, c'est sûr, j'achète. 2 constitutions. Ça, c'est unique, par contre. Ah. Mais les salles font leur effet dans tout le château, uniquement la pièce. Ah, je sais. Oh, je pense que c'est dans tout le château. J'espère. Je ne sais pas. Bonne question. Attends, on va tester. Je vais l'acheter. Il me reste 69. On va partir. Que la pièce, tu dirais, toi? On va voir. Donc, j'ai 8 de constitution et quand je vais dedans, j'ai 8... Non, c'est des bonus passifs. C'est bien des bonus passifs. Ok. Cool. Une pièce, on va rajouter celle-là, qui va aller là. Et je pense qu'on est bon. Ah si, non, j'ai... Ah non, j'ai point restant 0. Pourquoi j'ai pas eu de points? Ils sont où mes points? Ok, bon. Il y a quoi qui vient? Il y a lui qui est tout seul, tuer le seigneur. Ça a l'air de sentir pas bon. Hein. Moi, je pense qu'on est mort. Mais on ne sait pas. Sur un malentendu, on remonte nos HP. On ne sait pas. Mais je pense qu'on est mort. L'invasion commence. Donc, il y a le truc qui arrive en bas. Et premier fight. Ok. Bon, donc pas de rayonnement. En plus, rayonnement, ça doit être... Je pense que c'est la difficulté. Donc, c'est le même que tout à l'heure. On va vouloir utiliser ça sur lui. Ça nous donne 25. Donc, ça veut dire qu'on peut faire... C'est compliqué comme premier tour, en vrai. Déjà, on fait ça. Suivi de ça. Suivi de ça. Suivi de ça pour se buffer. Ça pour encaisser des dégâts.
ça. Ah non, ça lui a juste... Oh, j'aurais pas dû. Oh, l'erreur. Ok. En plus, je me fais défoncer déjà tour 1. Donc là, on prend pas de dégâts. C'est plutôt cool. Ah, moi, j'aurais dû faire ça avant, en vrai. Parce qu'on veut lui... Oh non, quoique c'est bien. Ok, fin du tour. C'est quoi le jeu? C'est bien. C'est, je sais plus comment il s'appelle. Few Nights. Je sais plus, mais il est bien. Il est bien. Ok, 14 et 8. On n'aime pas trop. On fait ça. Ça nous buff force. Derrière, on utilise ça pour bloquer. Ensuite, on fait ça. Et ça, donc il nous frappe qu'à 5, donc on est bon. Et là, on a, c'est encore un cas où on ne peut rien faire de nos PA. Mais est-ce que c'est vraiment très grave? Je ne sais pas. Fin du tour. Ok. Few nights more, ouais, c'est ça. Ok, là, il frappe à 15, ce qui est extrêmement pas gentil. Ah, et on peut... Ok, c'est good. 3 x 8. Est-ce que j'ai envie de lui remettre la vulnérabilité? Déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On veut lui baisser son moral. On veut utiliser... Ah, ouais. Y a rien qui pop. Ah, est-ce qu'on a moyen de savoir où on en est, de quand est-ce que ça va pop? C'est ça aussi. C'est, j'aimerais bien avoir cette information de combien il en faut encore pour que le troisième pop. Comme ça, on est bien. Et puis, on va lui faire ça. Hein. On a pris 2, ça me va. Donc là, à commencer. Ah, mais ça m'embête de l'utiliser ce tour-ci, il frappe pas. Mais d'un autre côté, ça me buff. Ah, tant pis. Ok, c'était bien. C'était bien. Donc là, on va... Voilà, il sera stun au prochain tour. Il frappe à 9. Bon, on va le faire pour se buffer. Et ensuite, on va le défoncer. Ah, mais on le tue carrément. Allez, nice. Bon, c'est maintenant qu'on meurt, je pense. Parce que là, il y a 4 ennemis et je vois pas comment on va faire. Donc, il y a plein de dégâts magiques, il y a plein de dégâts physiques. Beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc, on commence par ça. Elle fait peur, elle. Hein. Mais on veut tuer elle rapidement. Un, deux, trois, quatre, cinq. On aurait aimé deux comme ça. Le truc... On a besoin de ça. Bon, je suis pas convaincu par ce qui va se passer. Ça, ça nous buff force. 14. Ok, c'est pas mal. Ok. Donc là, 11 de dégâts magiques.
Quel dommage. Et là, c'est le genre de cas où on n'a rien à faire. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de faire ça. Et on va prendre 11 dégâts magiques, 8 dégâts magiques. Ok. Je pense un peu refaire War Tales un de ces jours. Oui. Je ne sais pas quand non plus, mais il y aurait bien des moments où on sera en manque de jeux vidéo. Alors, là, on veut ça pour buffer force, suivi de ça pour comboter. Ensuite, on veut faire ça. Ok, on a tué le healer. On est à combien ? 16-14, on n'a pas besoin d'utiliser autre chose. Fin du tour, ça se goupille plutôt pas mal. Il y a de la nouveauté sur War Tales, il y a eu le DLC. 13, donc on peut utiliser ça. Là, je pense qu'on veut tuer en bas, parce que la lance permet de toucher les deux. Attends, déjà, on va faire ça pour leur descendre leur morale. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire ? Non. Ok, on est à 16. Et l'item sur lui. Ça se passe beaucoup mieux que prévu, hein. Ah ouais, lui, il a des épines, en effet. Ok, donc lui qui est stun, ça va. On n'a pas besoin de ça, mais ça nous aurait quand même été utile. Ouais, il nous embête avec ses épines, lui, hein. Ça fait 4 dégâts, 4... Ouais, c'est bon. Ah non ! Pourquoi ? Ah, parce que c'est une double attaque, ça, mince. Bon, c'est pas grave, c'est bien quand même. On va pas le toucher, on va attendre de lui lancer le trésor en espérant. Attends, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire. J'aurais dû faire ça avant. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas prendre de dégâts. Ok. Par contre, on a du dot de feu, non ? Fliche 2 dégâts à la fin de chaque tour, je prends 6. La tristesse. Est-ce que ça va m'infliger des dégâts ou pas ? Oui, ah mince. Mais au moins, c'est une attaque. On a survécu ! Yes ! Une nuit de plus ! Je me demande si l'épée n'est pas mieux que la vulnée, ça te ferait plus d'attaques. Bah, le truc de la vulnée, c'est qu'elle me donne directement 25 de sang, et au début du fight, c'est cool. Point de renommée, 6. Faites votre choix. Je vous souhaite la bienvenue, ô seigneurie nocturne. Je ne suis qu'un humble colporteur de secrets, ici pour vous vendre mes bijoux, potions et autres améliorations en échange du refuge que ce château représente. Choisissez parmi mes biens. Choisissez un parchemin qui octroie 2 compétences au choix. Choisissez un livre qui améliore 2 compétences aléatoires. Choisissez une potion bleue censée augmenter de 2 votre nombre de PA. On n'a pas vraiment un nombre de PA. Moi, ça me paraît très sexy d'augmenter 2 compétences aléatoires. Je pense que le 2 me paraît très, très sexy. Et merci, Enalf Etzeku. Merci pour... Mais je t'ai dit merci déjà. Oh, je ne sais plus. Merci pour les 11 mois. Je pense qu'on va prendre ça, le 2. Ah bah, il n'y a pas de truc de validation. Donc, qu'est-ce qu'on a augmenté ? Est-ce que ça a augmenté... Est-ce que ça... Comment je sais ce que ça a augmenté ? Ah, renforcé. Plus 1 constitution. Oh ! Ah, malheureusement, la deuxième, elle doit être par là. Ah, ça a renforcé versatilité. Plus 1 enveloppe. Double tes dégâts ce tour-ci. Ah ! Ah,
En plus, c'est un truc que tu utilises en début de tour, ça. Bon, est-ce que du coup, on va pas mettre ça? Doubler les dégâts, ça m'a l'air bien. Ok, bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Décoration, on a chopé. Octroi plus 1 force. Allez, let's go. Hein. Ensuite, on a là. Ah ben, il me propose des trucs améliorés. Ah non, là, c'est une amélioration. Ça, c'est ce que j'ai, ça. Applique aussi un siphon à chaque chasseur ennemi. Siphon, octroie 10 ans si l'ennemi meurt. C'est pas terrible. Équilibre. Inflige un pourcentage de dégâts aux ennemis égal à votre réserve de sang. Un pourcentage. Ça peut être méga fort, ça. Ah, ça utilise tout le sang. Pourcentage de vie restante ou comment ça marche? Si tu as 100 et que tu utilises équilibre, tu utilises tout, mais c'est bourre. Hein. Non, mais vas-y, je vais prendre ça. Et du coup, je vais voir si... Non, ça l'a amélioré, c'est bien ça. Ok, les améliorations ont l'air assez fortes. Hein. Les améliorations ont l'air très fortes. Mais bon, là, j'ai rien d'autre à faire, donc je vais juste mourir, en fait, c'est ça? Non, si, j'ai ça à utiliser. Donc, soit... Ici, on est à 12. On peut passer à 18. Vous pouvez charmer les chasseurs et les rendre fous pendant la phase d'invasion. Ce qui veut dire quoi? On ne sait pas. Là, on aurait quoi? Un ticket marchand, 300 pièces d'or. Ou là... Ah, mais ça veut dire qu'on aurait un marchand tout de suite avec 600 et quelques or, ce qui est quand même très, très intéressant. Ou ici, un piège au hasard et un sbire faible. Ici, c'est intéressant à 6. Mais on a que 6. Non, on va prendre 3 ici. Et on va remettre ça à 0 pour une prochaine fois, parce que si on peut avoir 6 directement, ce sera fort. Ok, donc là, on a ça qui a pop, 669. Donc on a cheminée antique, décoration, octroie 4% de chance de multilancer sur un malentendu. Inflige 10 dégâts au moral d'un chasseur aléatoire. Les sbires réapparaissent après chaque invasion. Bah, tout à l'heure, ils ont disparu. Ah non, il y en a qui disparaissent et il y en a qui réapparaissent. Ah. Ah, c'est pas la même. Lance un javelot. La prochaine attaque à cible unique devient une attaque perçante. Rassemble des informations, octroie 5 XP à la fin de chaque nuit. Obtenez 4 sbires faibles. Obtenez 200 pièces d'or à la fin de chaque nuit, c'est fort. Le seigneur récupère 5 PV à la fin de chaque nuit. Et le seigneur obtient 1 PA, toutes les 8 compétences de bonus utilisées dans ce combat. Ok, alors attends, je pense qu'on veut prendre... Je pense qu'on veut du sbire à 20 moral. Ça, c'était pas mal aussi. Après, on peut aussi se heal, potentiellement, ça peut être bien. Ah, c'est une seule. Ok, c'est ce que je voulais voir. Il nous reste combien? 516. 516. Ça, c'est une taille de salle 2. Comment je sais? Mince, je ne sais pas des tailles de salle combien il me reste. L'XP à la fin de chaque nuit, ça pouvait être cool. Mais je pense qu'il faut acheter les sbires. Les sbires qui réapparaissent. Je vais prendre les sbires. Touche M. C'est quoi M? Ah, 2 x 2. Il me reste un 2 x 2 et 2 x 3. Bien vu. Bien vu, bien vu. Donc ça veut dire que je pourrais prendre ça, mais c'est trop tard du coup. Mais ça, je pense que c'est un bon achat. Ok, retourner au château. Attends, non. Ok, j'ai dépensé sans compter. Donc, on a 3 sbires. Donc, je pense qu'on va tout bourrer cette salle et on va rester là. Même si au final... Bah non, au final, il faut bourrer celle-là. Si les décorations s'appliquent bien de partout...
Force 1. Force 1. Ouais, je pense que les décos, ça, c'est de partout. Hein. Donc, du coup... Ouais, mais si il est sale... Non, on va aller là. Je sais pas. Piège, vas-y. Voilà, très bien. J'ai dépensé sans compter. Mais je pense qu'on est mort. Tuer le seigneur. Ah, il est tout seul. Ah. Ok. C'est la panic room, exactement. Bon. 20 dégâts, 20 dégâts, 10 dégâts, bim, 5 dégâts, allez, prends tout. Alors, est-ce que c'est lui qui a pris ou pas? Oh, il est déjà à 65 de morale. Vas-y, on va le déboîter. Donc, on veut absolument ça. Attends, on veut absolument ça pour... Bah ouais, mais on n'a pas de... 26 fois 2. Bah, on est mort tour 1. C'est dommage quand même. C'est dommage. C'est un peu dommage. Ah, j'aurais dû faire ça avant, peut-être. Ah, mais non, je vais pas avoir assez. Et on n'a pas assez pour ça. Alors, attends. Combien on est? Ah, il faut 20, on va pas avoir assez. Ah. Le moral baissé affecte pas les dégâts, je sais pas, mais il a 26 x 2, ça sent pas bon. Allez, 2 octroie 5 gouttes de sang. Ah, nous manque 5. On aurait pu jouer ça. On survit là ou pas? 54 et tu fais 52, ça a l'air d'être bon. Voilà, 2 points de vie, easy. Et là, il est stun. Pourquoi il n'est pas stun? Ce chasseur ne peut pas être étourdi. Or, qu'est-ce qui se passe quand il tombe à 0? Moins 2 en intelligence, moins 2 en force tous les tours. Et il fait 16 de dégâts magiques. Donc là, on veut... Ah, mais on voudrait faire ça, quoi, mais on peut pas. En gros, on veut faire ça, suivi de ça. Suivi de ça, suivi de ça. Non, j'aurais dû faire l'inverse, en fait. Ok. Ah, je suis mort. Ah bah d'accord. Ok, on a passé 2 levels. Ouais, le premier niveau, il est level 3. Bon, c'était bien quand même, je trouve. C'était bien quand même. C'était pas mal. C'était pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Donc là, on a toujours rien, parce qu'il faut être niveau 3. On voulait absolument... Mais c'est où on est, château? Oui, c'est où on est, château de Nazmir. 6 nouvelles pièces et 1 nouvelle entrée. Oui. Commencer avec une chambre. Oh. Mais bon, on va peut-être pas prendre ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre de pas trop cher? Octroi. Non, ça, c'est à la fin de l'acte 1. Point de l'expérience obtenue, plus 25%. Ça m'a l'air très, très fort. Commencer avec 200 pièces d'or, je pense que c'est oui. Commencer avec une pièce supplémentaire, c'est fort. Commencer avec un point de compétence, c'est sympa aussi. Augmente les points de santé du cercueil. Commencer avec 9 points de renommée. Sympa aussi. C'est fort aussi, ça. Octroie un cercueil. La salle du cercueil a 3 emplacements de décoration.
9 points de renommée, 25 XP. 9 points de renommée, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Le truc, c'est que... Oh, il sent nécromancie. Ouais, non, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Tu veux pas? Attends, pourquoi tu veux pas? Ah non, mince, je lisais en haut, 26. Ah non, je lisais en haut le total, je suis dégoûté. Je lisais le mauvais truc. Non. Ah, j'avais que ça en points. C'est très très triste. C'est très très triste. On va probablement commencer avec un point de compétence, hein. Après, chaque coup critique du seigneur vampire lui redonne un PV. Est-ce que c'est pas mieux? Oh, chaque coup critique... Ouais, non, chaque coup critique du seigneur lui redonne un PV. C'est beaucoup mieux, hein. C'est beaucoup mieux, hein. Ah, je sais pas. Ouais, je dirais le... Tout ce qui peut me redonner des PV, c'est pas mal, hein. Ok. Continuez. Par contre, faut jouer combien d'années Attends, on va regarder s'il y a un truc pour les polices ou je sais pas quoi. Il y a rien du tout, hein. Non, il y a rien de rien. Si tu passes en anglais, ça passe quoi? Oh là, ça change rien. J'imagine. C'est, le jeu est pas hyper pensé pour la 4K, peut-être. Bon, ça fait déjà une VOD de 2 heures, j'aurais pas cru. On va couper la VOD en tout cas. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, j'ai adoré. Je trouve ça vraiment très très bien. C'est très très cool. Par contre, c'est un peu un jeu de l'infini. Comment tu... Et là, dites-vous qu'on a... Attends, nouvelle partie, emplacement de sauvegarde. Créer un pro... Elle est où ma game? On est d'accord que si je fais ça... Parce que tu me dis de créer un profil. Attends. Bon, on verra ça après la fin de la VOD. En tout cas... Non, oui, non, c'est bon. Je pense que ça a juste gardé mes bonus passifs et tout est bon. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. En tout cas, oui, le... Comme quoi, il ne faut pas toujours se fier à la couverture. Visuellement, c'est pas incroyable. On va pas se mentir. C'est pas moche non plus. Mais c'est pas qu'un problème de direction, c'est pas qu'une question de direction artistique, il y a un petit truc qui fait qu'en effet, il faut passer outre ça. Mais j'aime bien quand même, ça passe, ça passe. On a vu un perso alors qu'il y en a masse, on a vu un clan alors qu'il y en a masse, il y a trois trucs au moins, il y a enfin, un type de château, etc. Il y a moyen que ce soit un bon jeu de l'infini aussi, hein. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça original. J'avais peur que la gestion du château soit chiante, mais au final, non, elle n'est pas chiante. Elle se fait vraiment toute seule. C'est à la fin de la nuit, tu as des récompenses, tu les mets. Vraiment très agréablement surpris. Ouais, très très agréablement surpris. Bien content du jeu. Je sais plus si il est déjà... je sais que la démo est disponible, mais je ne sais pas si le jeu est sorti ou pas. Few Nights More, Steam... Hop. Si je pense qu'il est sorti déjà, il doit être en early, c'est ça? Jeu en accès anticipé, il est à 11 € et quelques, ok. Ok, ok. Nice. Bah, nice, nice, nice. Donc, bah, GG à eux. GG à eux. Vraiment. Ah, ça fait un moment en plus qu'il est en early, apparemment. Bah, ouais, non. Très, 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 très agréablement surpris. Voilà, voilà. Allez-y. Des bisous, YouTube. Merci d'avoir suivi cette découverte. Puis peut-être qu'on en refera l'occasion. Ciao, ciao, tout le monde. Des bisous.